changer avec beaucoup de volonté. On se rend compte par la suite que ça ne dure jamais. Tu t'es sans doute posé la question suivante. Comment se fait-il qu'avec toute la volonté du monde, je n'arrive pas à changer mes mauvaises habitudes? Je pense que ton environnement n'est tout simplement pas adapté au changement que tu souhaites entreprendre. Ainsi, il y a un conflit entre qui tu souhaites devenir et ton environnement. Le célèbre Les Brown a dit « Si tu fréquentes 9 perdants, bientôt tu seras le 10e. » Ça signifie que ton environnement influence différentes parties de ta vie. Tes relations, ta personnalité, ton style vestimentaire et même ta situation financière. Ça signifie également que la volonté à elle seule n'est pas suffisante. Mais ce n'est rien que tu ne saches déjà. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent ou sois dans l'environnement qui va te porter au niveau où tu souhaites être. Faire appel uniquement à la volonté, c'est brûler, voire épuiser ses ressources intérieures, tout en ignorant les facteurs externes, pouvant bloquer ou, au contraire, soutenir notre évolution. Comment changer son environnement? 1. Fais une liste des 5 à 10 personnes que tu vois le plus souvent et sépare-toi de ceux qui te tirent vers le bas. 2. Fais une liste de tes objectifs et définis les personnes sur lesquelles tu peux compter pour les atteindre. Les autres, mets-les de côté. 3. Retire tout type de distraction ou élément qui déclenche une mauvaise habitude. 4. Fais de ton environnement ton cheerleader en partageant tes objectifs et résultats. 5. Si tu ne peux pas changer ton environnement, alors change ce que tu consommes. Parfois, on ne peut pas changer notre environnement, mais on peut changer les choses que nous consommons et qui influencent notre vie. Par exemple, le type de contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Peu importe tes choix, rappelle-toi que tu es en mesure de pouvoir changer ton environnement pour atteindre une vie meilleure.